Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live exceptionnel. C'est l'after du E1S5 et nous sommes ensemble pour une heure en direct depuis le port des créateurs à Toulon qui nous accueille. Je suis en compagnie de Mylène Lavial. Elle est résolument optimiste. Elle est créatrice de l'agence de communication Smile. Elle est en charge de la commission du au sein de l'Union patronale du Var. Bonjour Mylène. Bonjour. Il est connecté, il est dans le monde de l'image, dans celui des startups. Il est fondateur de l'agence de communication vidéo Black Twin et il est président du réseau 4317, l'organisateur de l'E1S5. Bonjour Loïc Lemay. Bonjour. Alors Loïc qui va avoir un rôle bien particulier pendant cette heure, il va recevoir toutes vos questions pour nos invités en direct sur Facebook et on les transmettra, il les transmettra à nos invités, en plus des questions qu'il a préparées parce que je sais qu'il a beaucoup bossé depuis quelques jours. Aujourd'hui, il y a eu à peu près 200 personnes qui ont passé une très belle journée de l'autre côté de la rade, c'était à la Seyne-sur-Mer, ils ont participé à l'E1S5, un acronyme comme on les aime et qui peut parfois rebuter certains qui n'osent pas poser la question. Je vous avoue que moi, je l'ai posé la question et en fait, la réponse, elle est très simple. Alors, E pour événement, 1 parce que c'est le premier de la liste des événements que 4317 a décidé de créer, S5 pour saison 5, donc 5e édition, je traduis. C'est finalement assez simple et tellement aussi signifiant d'une culture qui reprend dans ses codes de communication ce qui rythme le monde d'aujourd'hui, un monde qui vit au rythme des saisons. Alors donc, E1S5, c'est ce rendez-vous durant lequel on a évoqué en détail l'expérience utilisateur. Vaste sujet, quête du Graal sans fin ou mise en œuvre finalement de solutions de bon sens. On va voir tout cela très concrètement avec tous nos invités dans un instant. Mais ce qui frappe quand on voit la liste des divers sujets qui ont été abordés, c'est ce souci constant de rapprocher la technologie et l'humain, la technologie au service de l'humain. Mais pas seulement, parce qu'on a aussi parlé d'esthétique, on a parlé de design, on a parlé de culture. Bref, on a à disposition tous les ingrédients, constitutifs d'une belle expérience. Car aujourd'hui, ce focus autour de l'expérience utilisateur est essentiel. C'est ce qui fait la différence. On joue sur les émotions, on raconte une histoire, on emmène son public et ses clients dans un voyage. Bref, on est ensemble, on partage. C'est la nouvelle règle dans le service. Allez, c'est parti. Nous sommes à la découverte du monde de demain. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui, n'est-ce pas, Yuan Foon? Oui. Yuan Foon, il est senior creative technologiste chez Adobe. C'est cela. Alors sachez que pour chacun de nos invités, nous avons prévu des petites virgules comme ça. Elle est très bien celle-là. Elle est sympa celle-là. Elle est très sympa. C'est Loïc, hein, le responsable. Donc, Loïc, merci Loïc. À chaque fois, Adobe, tu vas essayer de... Adobe Amérique. Quoi. Amérique. Voilà, tout ça. Alors dans votre job, très concrètement, vous conseillez, vous accompagnez les grands comptes qui veulent intégrer le design comme élément central dans leur transformation digitale. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de prototypage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, allez, sans nous refaire la conférence que vous avez donnée aujourd'hui, mais de quoi vous voulez parler quand vous parlez de prototypage? On revient un peu à ce qui se faisait avant? On revient toujours à ce qui se fait avant, parce que c'est des cycles concrètement, mais le prototypage, c'est vraiment à mi-chemin justement entre le design et la technologie. Et on va retrouver entre les deux toujours des typologies de personnes qui ont des compétences un petit peu pluridisciplinaires et qui sont capables et de designer et aussi de développer ou de faire, de fabriquer des choses. Et donc c'est ce principe-là qui est toujours un peu plus rare parce qu'on a tendance à faire des silos ou dans les grandes entreprises, on va déléguer ce travail-là à d'autres. Et donc le prototypage, c'est arriver justement à agréger toutes ces compétences et essayer de produire au plus vite quelque chose qui va ressembler à un produit final. Alors très concrètement, chez Adobe, ça ressemble à quoi? Vous travaillez sur quoi exactement? Sans dévoiler tout. Alors moi, je fais du prototypage plutôt en R&D. Donc en effet, il y a des choses qu'on ne pourra pas dire, mais c'est assez rare finalement. Enfin, on en fait un petit peu, mais c'est beaucoup aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aider les clients, alors que ça va du freelance à la PME jusqu'aux grandes entreprises, justement à mettre en place ce genre de choses à travers, les outils, les technologies et aussi le côté humain qui va avec. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est rendu compte que la technologie seule, sans intégrer complètement l'humain, ça avait ses limites, c'est ça c'est... Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, l'humain est au cœur, en effet, et là, vous l'avez bien dit en introduction, à la base, c'est la technologie qui est au service de l'humain et non pas l'inverse. Or, c'est vrai qu'avec beaucoup de recul sur les travaux qu'ont pu mener les grands groupes sur de la technologie,
C'est l'humain qui va s'adapter à ces process, à ces technologies-là, et ça ne devrait pas être le cas. Donc, Mylène, sur cette notion de prototypage, ou Loïc? Non, en fait, moi, je voulais aborder justement comment ça se passe. Enfin, concrètement, c'est Adobe qui va voir les gens, ou alors c'est leur remontée automatiquement des PME, des clients, des indépendants, qui fait que la relation s'installe. Enfin, est-ce que Il y a ça... les deux. Il y a les deux? Il y a les deux. Il y a de la relation au quotidien, il y a des opérations aussi marketing, forcément qu'on fait en local, en Europe et en France. Donc il y a des événements qu'on lance aussi sur la partie créativité, mais c'est beaucoup plus large, puisqu'on va vraiment faire plutôt, justement, essayer de montrer cette diversité dans la création. Ça va du motion designer au graphic designer, celui qui fait du print, celui qui fait vraiment autre chose, l'UX designer, justement. Et c'est cette complémentarité-là, le prototypeur et le web designer aussi, c'est cette complémentarité-là dans ces différents métiers qui fait la richesse de la créa, du design et qui aujourd'hui apporte la valeur que ça peut apporter. Et ça marche bien auprès des freelances, des PME et les grandes entreprises commencent vraiment à s'y intéresser, bien qu'on ne soit pas encore au maximum des capacités sur ces sujets-là. Ouais, justement, quels sont les freins? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les entreprises? Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est naturel, normal. Quels sont les grands freins? Les freins, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il y a une espèce de résistance économique, il y a une espèce de conservatisme qui vient du fait que les nouveautés, les innovateurs, les entrepreneurs, tout ce qui est nouveau, par défaut, ça va être un danger pour une entreprise parce que les gens sont bien installés dans un business qu'ils maîtrisent bien. Il y a des arrangements qui sont faits et du coup, dès qu'on dit oui, je vais apporter une nouveauté ou une innovation, on va communiquer sur le fait qu'on soit innovant dans les grandes entreprises. En revanche, on ne va pas vraiment intégrer l'innovation au cœur de l'entreprise. Donc, il y a cette résistance-là qui est naturelle. Un des témoignages, enfin, une des conséquences de ça, c'est que pendant pas mal d'années, les entreprises, enfin, les grandes entreprises du CAC 40 ont peu investi dans des startups. Elles ont peu racheté de startups. Il y a des fonds aujourd'hui de rachat de startups qui sont assez récents, finalement. Ils ont fait des observatoires pour bien les observer et vérifier que tout se passe bien. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de rachat. Et beaucoup de boîtes de startups françaises brillantes se sont fait racheter par des boîtes étrangères. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et donc, la résistance est en train de se relâcher un petit peu. Il y a une deuxième résistance qui est aussi l'organisation trop hiérarchique qu'il y a dans les grands groupes, qui nuit en effet à cette innovation aussi, à cette capacité d'être flexible, d'être agile au sein de l'entreprise. Et puis peut-être aussi la notion de vitesse, parce que pour les grands groupes aujourd'hui, on est dans des, enfin, tout va très très vite et ils ont peut-être pas cette flexibilité aussi pour adopter ce changement. Alors oui, et par contre, ils ont des méthodes pour le faire. C'est-à-dire que quand le Lean Startup dit c'est bon, c'est vrai pour les startups, mais un département d'une entreprise est capable aussi de le faire. Il suffit qu'il ait de l'autonomie financière et humaine pour pouvoir s'organiser de cette manière-là, etc. Donc ça, ils commencent à le faire. Ils commencent à le faire. Maintenant, il y a aussi des résistances côté IT, au niveau technologique, pour une raison simple. C'est que côté IT, les objectifs sont de stabiliser, sécuriser le système d'information et les systèmes des entreprises, d'un côté, et de l'autre, on a des services marketing ou numériques, digitaux, qui, eux, leur objectif, c'est vraiment de booster le business et de s'adapter justement à un monde qui est toujours en mouvement. Donc, dès lors, en fait, les deux objectifs sont complètement contradictoires et il va y avoir des frictions entre les deux qui vont être très fortes. Et c'est là où c'est encore un peu difficile. Et c'est là où il y a encore un peu d'apprentissage à faire. C'est pour ça que, effectivement, ce genre de journée permet d'échanger d'expériences pour avancer tous ensemble. Merci beaucoup, Merci. Johan Funes. Merci. Et nous allons passer à notre deuxième invité, bien entendu, comme d'habitude, en musique. On y va. Des décisions sont prises en local. Et donc, on a quand même une capacité de délégation pour statuer sur un certain nombre de dossiers, un certain nombre de crédits. Mais vous Et c'est ce connaissez les qui fait gens, la quoi. France. Vous les rencontrez. Voilà, on connaît les on est gens. Capable de les rencontrer quand on va chercher son pain. Ça change un peu aussi. On est capable de les rencontrer quand on va chercher du pain. Ouais. Bon, on est capable de les rencontrer aussi dans la ville, comme ce soir. Et c'est un peu la différence, comme le disait Loïc Lemay. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'associer avec les entreprises du 4317 pour être un peu plus proche de ce monde-là, de ce monde technologique. Alors, avec des résultats concrets, ça veut dire des entreprises qui d'ores et déjà sont passées par 4317, cette pépinière de TVT, qui ont ouvert leur compte en banque, quoi, tout simplement, et qui ont commencé leur business. Alors voilà, tout à fait, avec des entreprises qui étaient adhérentes du 4317, qui sont clients chez nous. Mais avec des conseils aussi qui sont donnés à certains entrepreneurs lors des apéros du 4317, hein, sans pour autant que tout le monde devienne client du Crédit Mutuel. C'est aussi un peu ce rôle-là. Il y a un rôle de soutien, il y a un rôle de conseil. Et tout ça fait aussi notre différence. Voilà. On n'est pas rentré qu'au 4317 pour se dire
Il faut compris que les sociétés soient clientes du Crédit Mutuel. Non, ouais. C'était pas que ça. Et on a accompagné certains projets. On a conseillé certains créateurs du 4317 sans pour autant finaliser une ouverture de compte chez nous. Mais c'est pas grave parce que quelque part, ça fait partie du jeu aussi. Ouais. C'est la culture de la banque aussi, le numérique, la technologie. Le Crédit Mutuel a développé cette culture-là depuis un certain nombre d'années. Alors, on a développé ça. Et puis, alors, précisément sur la Caisse de Toulon Liberté, nous, on fait partie des entreprises, enfin des caisses locales, il y en a très très peu en France, qui sont tournées vers le numérique et tournées vers la technologie 2.0. Donc on a un certain nombre de tablettes tactiles en consultation pour nos clients et on a un certain nombre d'outils technologiques qui sont testés là pour le national. Donc vu tout ça, c'était un peu logique qu'on soit partenaire du 4317 de TVT. Et ça va tout à fait dans ce qu'on a mis en place depuis 2 ans. Mylène, vous vous occupez à l'Union patronale du Var de suivre tout ce qui est numérique. On sait que le financement des entreprises, oui, ça peut poser des problèmes. Là, c'est rassurant de voir ce genre de... C'est rassurant de voir. Enfin, aujourd'hui, il y a pas mal de solutions de financement du numérique. C'est rassurant de voir des banques qui rentrent dans cette dynamique aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des projets, ça serait peut-être intéressant que vous disiez les 2-3 clés qui vous permettent, vous, aujourd'hui, de vous dire j'ai envie d'y aller sur ce projet. Alors, qu'est-ce qui séduit ? Bonne question. Alors, qu'est-ce qui séduit ? Je pense qu'à l'issue de la discussion, il y a vraiment des projets de tout type. Ouais. Hein. La personnalité du dirigeant, d'abord. Ça, c'est important. Hein. Qu'on sente qu'on est quelqu'un qui soit motivé, qui soit vraiment enclin dans son entreprise, qui connaisse son produit, qui connaisse un petit peu son évolution. Évidemment, on va tous regarder, mais ça, c'est comme tout banquier, un business plan. Et on va regarder quelle est l'évolution à 3 ans de la société. Et puis après, on va regarder quels sont les besoins, s'il a fait appel à d'autres partenaires financiers. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez très justement, il existe beaucoup de sources de financement. Et vous pouvez avoir des prêts à taux zéro, vous pouvez avoir des prêts bancaires, vous pouvez faire levier sur des organismes de garantie. Et tout ça, c'est intéressant aussi dans un plan de financement global de l'étudier. Voilà. Donc, je dirais la personnalité du créateur, le business plan et l'idée qui va être novatrice. Hein, Loïc Lemay, lui, il est dans un secteur Black Twin qui est le motion design qui est assez novateur. Mais il y en a d'autres qui sont dans d'autres secteurs très novateurs et qu'on suit ou qu'on a conseillé depuis 2 ans. Merci beaucoup Jean-François Sébastien de ces précisions, de ces éclairages. Voilà, c'est parce que on parle de start-up, mais c'est de l'économie et l'économie, c'est aussi du financement avec les partenaires banques. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on va recevoir dans un instant notre prochain invité. Tout de suite, on découvre la virgule qui a été choisie par Loïc. Ah, on a un petit bug au niveau de la... bug. Ça y est, ça revient. Jonathan Noble est avec nous de Suelo. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Un petit mot juste sur la musique que Loïc a choisie pour vous. Alors pourquoi ? New York en fait, on va parler d'un sujet qui est le sujet de la semaine dans la sphère toulonnaise. Et on a l'habitude que ce qu'il va nous expliquer, c'est un peu le rêve américain, donc c'est aller à New York. Donc je trouve que c'est un petit clin d'œil. On vient de parler de financement avec un banquier. Vous êtes illustré, c'était mardi, avec une levée de fonds, 500 000 euros, pour une start-up que vous avez créée à l'âge de 15 ans. Vous étiez au collège. C'est ça, oui. Vous continuez à faire les études en même temps que vous avez fait la start-up ? Ouais, d'accord. Bien sûr. Et donc, comme quoi, finalement, on parle beaucoup des rythmes scolaires, mais pour certains, ils ne sont peut-être pas assez denses. Donc, l'idée de Suelo, aujourd'hui, ça s'appelle Suelo, ça s'appelait Clock Tweets à l'époque, c'est de la programmation de tweets, et puis avec une évolution sur la programmation sur Facebook, sur Instagram demain. Tout à fait, oui. Voilà. L'idée est venue comment, juste parce que c'est vrai que... Très simplement, j'avais un blog en fait WordPress à l'époque justement où je développais, enfin où j'écrivais des articles high tech et je voulais pendant à l'âge de 15 ans, hein, notez bien quand même. Oui, bon, c'est rien d'exceptionnel, mais mais du coup je voulais que pendant que j'étais en cours, je voulais que mes articles soient publiés sur Twitter et c'est là où je me suis dit il faut trouver un système pour programmer ces tweets, sauf que ça n'existait pas. Donc j'ai écrit un tweet tout simplement sur mon compte Twitter où j'avais une centaine de followers dont je l'espère, Loïc. Il me semble Loïc. Et donc voilà, personne m'a répondu, sauf une personne qui m'a dit ça n'existe pas. Par contre, je peux développer un petit script et après, t'en fais ce que tu veux. Et du coup, à partir de ce moment-là, à partir de cette idée-là,
ça a commencé à arriver. Et on l'a mis en ligne uniquement au début pour mon usage personnel. Mais on a remarqué très rapidement en fait, qu'il y a des grands groupes qui ont commencé à l'utiliser. Le premier, c'était l'équipe, la première semaine. On n'y croyait pas. Enfin, je n'y croyais pas. Et après, je dis on parce qu'il y a un autre développeur qui m'a rejoint à ce moment-là. Et vous avez structuré petit à petit l'histoire de l'entreprise. Elle a commencé à cette époque-là. Ça s'est structuré. Aujourd'hui, il y a combien de personnes là, qui sont arrivées? Alors, depuis maintenant un mois, on est 6. On a 3 développeurs, un commercial, quelqu'un en web marketing, presse et partenariat et moi-même. L'idée, bien sûr, d'élargir sur les autres réseaux, c'était, vous l'aviez déjà plus ou moins en tête. On part de Twitter et puis on... Obligatoirement. Aujourd'hui, il faut être vraiment partout, sur de nombreux réseaux sociaux. Et donc, obligatoirement, nos clients, nos utilisateurs nous ont très vite demandé d'aller sur Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn. Alors, ça se fait progressivement. Là, on est déjà sur Twitter, Facebook. On va arriver sur LinkedIn en septembre, fin septembre. Et après, on ira petit à petit vers d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, on écoute vraiment nos clients et nos utilisateurs qui nous demandent ça. Et puis, ça se ressent aujourd'hui, même une PME, même une start-up, se doit d'être sur de nombreux réseaux sociaux, sauf qu'on a très peu de temps à y consacrer. Donc voilà, autant prendre son lundi matin, tout programmer, et puis après, voilà, vaquer à ses occupations. Et sa vie tout seul. Loïc ? Une question un peu, titiller Jonathan. Non, mais du coup, est-ce que concrètement, ça change quoi de lever 500 000 euros ? Est-ce que ça change quelque chose ? Non, mais est-ce que tu gardes cette énergie cette fois et finalement, c'est un moyen de levier supplémentaire ? Répondre un peu à la question peut-être, mais ou est-ce que ça soulage ou pas, enfin, ça change quoi? Pour l'instant, je sais pas encore concrètement parce que je l'ai pas encore réalisé. Ça fait quelques semaines nous qu'on le sait, enfin parce que voilà, on a signé il y a quelques semaines, mais ça fait que quelques jours qu'on peut le dire. Donc ça fait un mois où voilà, on n'avait pas le droit de le dire entre guillemets. Donc pour l'instant, ça change rien. Bon, bien sûr que ça change quelque chose parce qu'on a une nouvelle équipe. C'est une reconnaissance. Voilà. Déjà. Parce qu'on a réussi à convaincre des gens. Disons que dans notre façon d'être, en tout cas, ça ne change rien. Et il faut que ça ne change rien, parce que sinon, c'est que c'est pas bien. Mais ça change quelque chose parce qu'on va faire, enfin, on augmente l'équipe, parce qu'il va y avoir de nouvelles fonctionnalités, ça va aller plus vite. On va pouvoir vraiment booster notre développement. Après, en soi, pour l'instant, je ne m'en rends pas trop compte. Donc, c'est très bien. Je sais que c'est très bien parce que les gens me le disent. Parce que voilà, mon entourage me le dit. Mais voilà, pour l'instant, à titre personnel, en tout cas, ça ne change pas grand-chose. Mylène. Et pour ceux qui nous regardent, qui se disent qu'il a levé 500 000 euros, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? C'est des business angels locaux? Alors, il y a différents acteurs. Il y en a quatre grands acteurs. On a effectivement des business angels locaux, donc VBA, dont Guillaume Passaglia, qui est l'ex-dirigeant de Vinmerde, donc un site, et maintenant ils font des livres, des agendas, ils ont une série, etc. Il y a également Créazure, donc, qui est un fonds d'investissement du Crédit Agricole. Et il y en a encore deux, il y a la région PACA avec PACA Investissement et Olbia Invest qui est un fonds d'investissement local. Donc voilà, on est allé les voir, ça a duré plusieurs mois, 6 à 8 mois. On est allé les voir, on a pitché une première fois, ça a continué, il y a eu une sorte d'audit qui a été fait pendant quelques mois, on a travaillé des points ensemble. Et puis ensuite, on a refait le dernier pitch pour convaincre. Et après, voilà, on a su si c'était oui ou non après quelques jours. Et après, bon, il y a tout ce qui arrive, enfin tout ce qui vient de se passer qui arrive. Voilà. Bravo. Départ d'une nouvelle aventure, félicitations pour cette première étape. Merci beaucoup. Ça met aussi un peu de pression, je suppose, parce que maintenant il faut réussir. Il en faut un petit peu, mais. Merci beaucoup, Jonathan Noble. Et bien sûr, on suivra les évolutions de Suelo. Vous pouvez rester avec nous. Il y a une carte blanche là maintenant, c'est avec Mylène Lavial. Pour Mylène, on a une petite musique aussi, je suppose, non, Loïc? Non. Alors, musique pour Mylène. Allez, surprise. La musique pour Mylène. Et je crois que ça vous correspond bien, ma chère Mylène. Merci, Loïc. Il y a de la joie. Alors, carte blanche. Alors, aujourd'hui, on parle UX. UX, c'est-à-dire User Experience ou expérience utilisateur en français. C'est en définition les sentiments et émotions d'un utilisateur lorsqu'il interagit avec un produit, une interface ou un service. Donc, on vient de passer une journée riche en conférences avec eux. Et du coup, sur cette carte blanche, j'ai eu envie de parler du X positive, optimiste. Et bien sûr, je ne pourrais pas m'empêcher de parler des réseaux sociaux.
Donc l'optimisme, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et finalement, si on regardait l'UX comme une opportunité. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure avec notre premier intervenant. Ça peut sembler compliqué, ça peut sembler cher aussi au premier abord. On n'y pense pas forcément quand on crée un lieu, une marque, un site internet, mais c'est fondamental. On a toujours pensé à l'utilisateur avant. Ce n'est pas nouveau, par exemple, on peut considérer pour les premiers architectes du temps des pyramides, ils avaient eux aussi cette approche. Quand on conçoit une voiture, on pense pas à la conduite, mais on pense à l'expérience conducteur et aux passagers. Souvenez-vous du slogan il y a quelques années des voitures à vivre. Finalement, si on analyse les réseaux sociaux, c'est aussi l'outil indispensable pour être en lien avec son utilisateur, partager avec ses utilisateurs, raconter une histoire, faire du storytelling, comprendre ses attentes, avoir son avis sur les produits. Par exemple, je me souviens d'une campagne de DOP qui souhaitait lancer un nouveau gel douche et a posté sur Facebook des photos de packaging produits avec différents parfums et a demandé à ses consommateurs de voter pour choisir le gel douche qui allait être produit. Lego avait aussi lancé une plateforme Logo Ideas pour que ses fans postent des idées de création de logos. Donc le lien entre les réseaux sociaux et l'expérience utilisateur semble une évidence. Finalement, l'expérience utilisateur, c'est pratiquer une des valeurs de l'optimisme, c'est-à-dire l'empathie. Il y a d'ailleurs eu une conférence aujourd'hui sur l'empathie. L'empathie, c'est la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. Alors oui, ça fait un peu bizarre en entreprise, mais être à l'écoute des attentes de ses consommateurs, c'est fondamental. En conclusion, c'est nouveau, c'est incontournable, et je dirais commencer, tester en toute bienveillance, en s'autorisant ce lien avec vos utilisateurs. Expérience utilisateur vue par Mylène Lavial. Merci beaucoup. Merci Jonathan, je vais vous laisser rejoindre la fête parce que nous allons accueillir maintenant un autre invité. On va changer de registre, hein. Là on était dans la programmation de tweets. Là on change de registre et on découvre ça en musique pendant qu'il nous rejoint, Stéphane Boule. Alors, le choix de la musique, Loïc. Il y avait plusieurs choix. Il y avait, j'ai hésité parce que Stéphane a un passé en fait. Ouais. Il va nous raconter ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il a notamment beaucoup tourné dans le monde. Il a été DJ, il est chanteur d'un groupe de rock. Et voilà, je me suis dit que Shaft, pour moi le plus jeune que je suis, c'est un peu représentatif de l'état d'esprit qu'essaie d'insérer là-bas au Twiggy Café. Alors, justement, Stéphane Boule, c'est le premier bar qui est ouvert sur la place de l'Équerre. Bonsoir. Bonsoir. Le Twiggy Bar. Le concept, donc, c'est quoi ? C'est reprendre une icône des années 70 et puis et faire vivre ça autour de musique, décor. Ouais, très fan depuis mon enfance des années. Très fan depuis mon enfance des années 60. J'ai vécu le mouvement mode. Je ne sais pas si les gens connaissent. Ça existait dans les années 70, mais c'est revenu dans les années 80. On a des Vespa avec plein de rétroviseurs, plein de trucs. C'était un mouvement où on s'habillait en costard. On écoutait les Who, les Beatles, les Stones, tout ça. Et j'ai toujours été fan de cette musique. Et depuis cette époque-là, en plus, j'ai un groupe qui s'appelle The Kryptons, où on va fêter les 30 ans l'année prochaine de ce groupe. Et voilà, je me suis occupé d'établissements comme le Baratin pendant 10 ans et à la Vague à Sifour pendant 10 ans. Et je voulais ouvrir un lieu un jour, et grâce ou à cause d'un accident de scooter où je suis resté longtemps à l'hôpital, je l'ai réfléchi à ce lieu avec ma compagne, et on nous a proposé de venir dans ce quartier. Tout le monde nous a dit non, venez pas dans le centre-ville, c'est pas bon, il faut pas venir là, et au final, on l'a fait, et on est super contents parce que ça marche bien. Voilà, le Twiggy Café. En plus, il y a une connexion avec le numérique parce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu as fait pour le Twiggy Café, qui est une campagne de crowdfunding en fait. Ouais. Tu as décidé de lancer. On était sur Ulule, on a commencé par ça, la campagne Ulule, et on a proposé ça. C'était sur 2 mois, on devait faire 6 000 euros, et en 15 jours on les a fait. Donc toi, tu nous as vachement aidé, c'est Black Twin. Loïc, en tout cas, voilà, c'est connu comme ça, mais franchement, t'es super content, t'as cru en nous et plein de gens. Et en 15 jours, on a atteint l'objectif des 2 mois qui était prévu.
Et ça nous a donné deux fois plus la pêche de le faire. Et ça nous a donné deux fois plus de promos autour de tout le monde. Deux ans en arrière, tout le monde savait déjà, avant qu'on ouvre, ça fait six mois qu'on a ouvert, mais deux ans en arrière, tout le monde savait déjà le Twiggy qui existait. Ouais. Alors c'est justement, vous avez connu, vous parliez du baratin tout à l'heure, vous avez une autre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Et là, c'est, aujourd'hui, c'est, ça démultiplie, on partage une ambiance. Quoi. Dans l'expérience utilisateur, on partage véritablement une ambiance en direct. Quoi. C'est ce qui est incroyable, c'est qu'on en a demandé de l'argent à des personnes. Et ça nous a, en plus, ça nous a fait une promo incroyable. Tout le monde parlait que du Twiggy. Du jour au lendemain, on est arrivé en ville, on marchait dans la ville. Ah, c'est vous le Twiggy. Mais vous êtes ouvert ou pas? Non, non, non. Il n'y a rien de fait encore. Attendez. Attendez. Ça a été même dur parce que notre projet a été retardé à cause des bâtiments de France. Et on a fait une ouverture. Ça a été vachement retardé. Et au final, tout le monde parlait que de nous. C'était incroyable. Ouais. Franchement, c'était... On n'y croyait même pas. Ma femme n'est pas du moi, je suis de Toulon, mais ma femme n'était pas d'ici. Elle me dit, c'est pas possible, tu connais tout le monde. Et tout le monde ne parlait que de ça, du Twiggy qui n'était pas encore ouvert. Cet effet des multiplicateurs, vous en parliez tout à l'heure, Mylène. Hein, les réseaux sociaux, et aujourd'hui, vous y êtes encore sur les réseaux sociaux. En tout cas, la page Facebook, elle marche sans nous. On a tous les jours des gens qui... C'est les utilisateurs qui publient directement l'expérience. Voilà. Ma femme s'occupe plus de Instagram. Et on partage et ça marche, mais on n'aurait jamais pensé tout ça. On n'avait pas ces outils. Moi qui étais directeur artistique à l'époque, c'était beaucoup avec des flyers, des affiches et tout. Et maintenant, c'est devenu... Après de ça, on est passé... Il y avait les téléphones qui sortaient, les mobiles. On a commencé à travailler avec les SMS. Maintenant, ça a complètement changé, les flyers. Et encore qu'en ce moment, c'est la première fois que je vois que ça revient, les flyers, le papier. Mais qu'il n'y en avait plus depuis très longtemps, ça revient. Mais puis il y a le changement aussi de prisme, c'est-à-dire qu'avant les flyers c'est vous qui donnez, mais là c'est les gens qui font votre promotion et qui partagent leur émotion. Je vois par rapport à Facebook, avant c'était limité d'envoyer inviter des gens et tout. Facebook, ils ont compris que maintenant ils nous limitent à 500 personnes, 500 amis pour envoyer des invitations parce qu'ils comprennent bien que c'est un outil promotionnel incroyable. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci. On voit qu'effectivement, on parle de l'expérience utilisateur au travers du numérique. Et ça, c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Le recrutement de personnes adaptées, enfin avec des profils des webmasters, des community managers, donc des gens qui n'étaient pas dans l'entreprise il y a 10 ans. Quoi. Voilà, aujourd'hui, on a intégré. Donc, on a cette démarche et on incite aussi nos adhérents à aller vers ça. Donc, la démarche numérique est importante. Et puis, cet après-midi, on a même pris la décision pour notre journal Var Entreprise de passer tout en numérique à partir du mois de septembre. Voilà, donc fini le papier sur la partie journal. C'est donc un scoop. On a un scoop ce soir. on a parlé tout à l'heure de culture avec Tiffaine Sanson qui s'occupe du Théâtre Liberté. On est au port des créateurs, on est dans cet univers culturel, dans ce centre-ville qui est en train de se réinventer, de se restructurer. Avec la rue des Arts juste à côté. Il y a aussi ce lien qui existe naturellement entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture. Et ça, c'est un chantier sur lequel l'Union patronale du Var est mobilisée depuis un certain nombre d'années avec le mécénat culturel, des belles manifestations. Tout à fait. Il y a encore de la sensibilisation à faire. Ah, complètement. Alors bon, nous, on s'est investi depuis quelques années. D'abord, concernant le centre-ville de Toulon, on félicite tous ceux qui ont organisé ce quartier, cette rénovation qui est magnifique. Je suis toulonnais d'origine, donc je sais que c'est magnifique de revivre un quartier comme ça, de cette façon, avec cette mixité de magasins, de culture. Pour l'Union patronale, ça fait quelques années qu'on s'est investi sur ce sujet-là. Alors c'est vrai que dès l'origine, on a une structure à l'UPV qui s'appelle les Heures Libres de la Jeunesse, qui était déjà pour le développement culturel et sportif des salariés dans les entreprises. On avait créé des bibliothèques en 1937 sur le département du Var et des salles de cinéma. Donc on était déjà imprégné d'une démarche culturelle. Et puis ça s'est développé au fil des années. C'est devenu aujourd'hui la carte Odyssée où on propose à tous les salariés des avantages pour la culture et les loisirs. Mais on a développé des actions de mécénat spécifiques, notamment depuis presque 7 ans, le Salon Bazart qui est à Fréjus, qui est le Salon de l'art contemporain, où 100 entreprises sont mécènes de 100 artistes contemporains. Donc on a fait 6 éditions de Bazart et on prépare... Alors, on a évoqué le fait que la prochaine édition Bazart pourrait être sur l'art numérique, justement. Voilà.
Donc on y réfléchit pour la prochaine édition, c'est une biennale. Mais on a été aussi partenaire de nombreux acteurs de la culture, comme le théâtre. On est aussi fondateur du club des mécènes de l'opéra. Et puis Orfeo, exactement. Et puis on a déposé il y a un an le terme Harmonia, qui va être un fonds de dotation de l'UPV à destination de quatre thèmes exactement, l'art contemporain, le spectacle vivant, le patrimoine naturel et culturel et le sport, pour que des projets puissent se présenter dans le cadre du fonds de dotation, être présentés aux entreprises et que les entreprises puissent le financer par le mécénat. Voilà, donc il y a un double intérêt au mécénat, financer des projets, donc les gens qui ont des projets puissent trouver un financement plus facile, participatif, et l'autre intérêt pour celui qui est mécène, c'est de pouvoir défiscaliser. Donc il y a un double effet, on va dire. Voilà. Loïc, on est complètement cohérent par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est dit aujourd'hui, quoi. On est dans cette recherche de l'esthétique, dans cette recherche de l'accompagnement, dans la promotion de la culture aussi de marque, même quand on est une entreprise qui travaille sur un secteur où a priori il n'y a pas forcément cette notion-là. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Enfin, c'est quelque chose d'évident pour le monde du numérique dans lequel je fais partie. Mais c'est vrai que on est complètement dans cette mixité. J'ai une petite question moi, en fait, par rapport au scoop. C'est quoi qui a fait la décision finale justement d'abandonner le papier? Enfin, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a dit allez stop, on arrête le papier pour tout numérique? L'élément déclencheur, c'est de se dire qu'on publiait un certain nombre de milliers d'exemplaires d'un journal qui était adressé aux gens et dont on n'a aucun retour finalement, si ce n'est qu'il fallait faire une enquête pour savoir s'ils lisaient, qu'ils lisaient. Mmh. Et puis en même temps, c'était très peu pratique, même si on avait une version sur le site internet, d'envoyer un article qui intéressait quelqu'un, de pouvoir le diffuser sur les réseaux sociaux et de multiplier la diffusion, voire même de faire tout au long de la période de parution du magazine, de faire un peu du teasing et d'envoyer. Donc tous ces outils pratiques qu'on a aujourd'hui, tiens, il y a un article qui m'intéresse, je le diffuse à mon réseau. Donc voilà, c'est une entreprise qui sur laquelle on a fait l'article qui peut le diffuser à ses clients, à ses fournisseurs. Et du coup, mesurer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la mesure. Ouais, et la mesure de l'impact. Pareil pour la publicité. Quand j'aurai tant de lecteurs, tant de vues, je vais pouvoir dire à celui qui va prendre de la pub dans le journal, ben voilà, exactement. Donc déjà, on a quelques intérêts comme ça. Et puis l'autre intérêt, c'est le coût. Très sincèrement, aujourd'hui, le coût d'impression, le coût d'envoi, c'est très cher avec un retour très faible. Alors que là, on va dire, on a baissé les coûts, même si on garde nos coûts de journalistes, de fonctionnement, de rédaction et tout ça. Mais derrière, on baisse les coûts d'envoi, ce qui va nous permettre peut-être de faire aussi plus de pages, plus d'articles. Voilà, donc, pour l'instant, il n'y a que des avantages. Alors après, on nous a dit, ouais, mais le papier, c'est encore important. Ouais, sans doute, il y a encore énormément de choses qui se font avec du papier. On prend cette option, on verra bien. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on envoie aujourd'hui. On envoie presque toutes nos invitations en numérique. Il y a très peu d'invitations papier. Et on se rend compte en fait que ça marche aussi bien, voire mieux qu'avant. Ben, on parlait d'expérience utilisateur aujourd'hui. Ben, vous allez pouvoir justement tester une nouvelle expérience utilisateur. Ah, complètement. De grandeur nature. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Thierry Balazuc. Merci. Pour ce merci à éclairage. Vous. Et voilà, donc rendez-vous. Le prochain numéro numérique, c'est Début septembre. Début septembre, hein, pour la rentrée. Voilà, pour la rentrée. Merci beaucoup. Et c'est l'heure de la carte blanche maintenant à Loïc Lemay. Il a au droit à sa petite musique aussi. C'est toi qui l'as choisi ? Ouais. Ah, tu... Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'en fait, les Beatles, c'est important pour moi. Parce que la famille est importante pour moi. Et que j'ai nommé mon fils Paul, notamment, parce que en hommage à Paul McCartney. Donc voilà, et ça fait écho à la chronique que et Ringo, que non, pas encore ? Pas encore. Ma petite s'appelle Joanne, hein, qui se veut dire John, voilà. Donc bon, il faut encore faire Georges et Ringo. Il faut agrandir le groupe. Il faut vraiment faire le monde. Non, puis ça fait écho justement à ce que je voulais parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de numérique, on parle de beaucoup de choses, d'expérience utilisateur. Et je pense qu'il est important, on a un peu évoqué le cas tout à l'heure avec Adobe, c'est important de garder en tête l'importance humaine. Enfin voilà, Mylène a parlé tout à l'heure du bonheur. Moi, aujourd'hui, je voulais faire un focus justement sur l'humain. C'est-à-dire que derrière toute cette technologie-là, derrière tous ces process-là, derrière tous ces community managers, les réseaux, ça reste de l'humain. Et c'est important aujourd'hui, dans notre société qui va très très vite, de ne pas oublier qu'on est entre nous, on est dans un endroit aujourd'hui pour fêter un peu ça, mais qu'au quotidien, on ne doit pas se couper du monde. Et donc c'est bien aussi de couper, même si je ne vous demande pas de couper Facebook maintenant, mais c'est très important de prendre des moments en famille, en amis,
de pouvoir garder ce temps. Voilà, quand on écoute les personnes un peu plus âgées d'ancienne époque qui ne connaissent pas Facebook, eh ben, ils vivent aussi bien que nous. Ils font les mêmes apéros que nous. Ils vivent la même chose que nous, mais d'une manière complètement différente. Et c'était ça le focus que je voulais faire apporter aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, à l'heure de l'hyperactivité, où il faut répondre aux mails avant. Moi, j'ai un petit jeune l'autre jour dans mon. Je donne des cours et je participe à beaucoup de choses auprès de jeunes qui me demandaient mais comment on faisait dans les boîtes de communication avant les mails, avant tout ça. Voilà, ils se posaient la question de comment on fonctionnait par le courrier unique, qu'est-ce qu'un fax, qu'est-ce qu'une cassette VHS, et c'est pas si vieux. Enfin, j'ai l'impression de dire ça. Voilà, j'ai bientôt 40 ans, mais Facebook a que 10 ans. Hein. C'est ça, exactement. Et qu'il faut revenir un peu à l'essentiel, ne pas perdre de vue l'essentiel, qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin des uns des autres et de prendre le temps de célébrer les choses ensemble, de passer du temps ensemble. Et c'est un peu mon focus d'aujourd'hui, de ma carte blanche sur laquelle je voulais axer ça. Voilà. Voilà, une expérience utilisateur, rien ne vaut un contact réel et tous les outils sont là pour les faciliter. Merci beaucoup Loïc. On va passer à notre invité suivant. En musique, comme pour les autres. Voilà, une musique spécifique pour accueillir Damien Lochner, qui est ergonome indépendant. Un petit focus, une petite explication peut-être sur ce choix musical, ben, Loïc. C'est un choix de vie qu'a fait Damien. Enfin, un choix, voilà, il est toulonnais. Oui. Et il est parti au Canada. Voilà, il est parti vivre, travailler là-bas. Voilà, donc je pense qu'on va en parler peut-être un peu. Mais il est parti travailler là-bas, donc la liaison était toute faite sur cette magnifique chanson de Cabane au Canada. Membre du réseau 4317, et puis il y a un an maintenant, donc direction le Canada, Damien, c'est ça ? C'est ça, depuis l'été dernier, effectivement. C'était une belle expérience de prendre un petit peu de recul, mais ça fait énormément de bien de revenir sur Toulon, et j'ai hâte de pouvoir revenir définitivement dans quelques mois pour bénéficier de tout l'attrait du territoire. Oui, effectivement, l'attractivité du territoire. Alors, avec vous, vous avez participé donc à cette réunion E1S5 aujourd'hui avec une conférence spécifique sur le design émotionnel. Là, on est au cœur de l'expérience utilisateur. Loïc vient d'évoquer cette dimension humaine. Le design émotionnel, l'émotion, c'est humain. Et donc, le produit, finalement, peut parler, peut nous raconter une histoire, c'est ça ? En quelque sorte, ce n'est pas aussi explicite que ça, en fait. Ouais. Le design émotionnel, c'est une manière... d'insuffler ou de susciter une émotion au travers d'une expérience avec un produit, avec un service, avec une interface. Mais c'est quand même assez subtil et bien souvent l'utilisateur ne sera pas forcément capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il se sent aussi bien avec ce produit. Mais en amont, il y a eu un travail de rationalisation, de stratégie qui a été mis en œuvre de manière à influencer finalement le ressenti de l'utilisateur et in fine d'influencer son comportement dans le bon sens, c'est-à-dire pour plus de facilité d'utilisation, plus de plaisir, plus d'appropriation. C'est quoi les étapes quand on est... Comment vous faites ? Comment on arrive à ça, quoi ? C'est la même question. Non, on vous regarde et on se dit, bon, ok, on voit bien la finalité, mais comment on y arrive ? Alors déjà c'est un travail de recherche encore, qui est encore lié d'une part à l'université d'Aix-Marseille en France et l'université de Sherbrooke au Canada. Donc mon premier travail c'était d'identifier des stratégies de design avec une approche qu'on pourrait qualifier d'exploratoire ou d'ethnographique qui consiste en fait à rencontrer des designers pour comprendre leurs pratiques. C'est pas forcément évident parce que parfois c'est des savoir-faire qui sont implicites, qui sont pas forcément évidents à exprimer. Et puis d'ailleurs on n'a pas non plus forcément l'impact de ce travail n'est pas toujours mesuré ou mesurable. On va dire plutôt mesuré pour être optimiste. Mais toujours est-il que ça permet d'identifier des hypothèses. C'est déjà pas mal dans un premier temps. Et il ne faut pas que je sois trop long, parce que si vous me lancez sur le sujet, ça va durer très longtemps. À partir de là, l'étape suivante a été de créer en fait une cartographie de ces approches, de ces stratégies.
de manière à les rendre utilisables par d'autres designers, en fait. De pouvoir duplicable. Duplicable, effectivement. Ouais. Si je veux travailler sur l'image sociale de tel produit ou sur la partie empathique, je peux tirer sur ce fil et je vais dérouler telle ou telle stratégie qui seront implémentables dans mon produit. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on y arrive. Et de manière à fédérer toutes ces stratégies, on peut utiliser ce que j'appellerais la personnalité applicative. C'est-à-dire, si mon interface était une véritable personne, qui serait-elle ? Ça permet d'homogénéiser comme ça l'ensemble des stratégies qu'on cherche à mettre en œuvre. Mylène ? Et juste une question, qu'est-ce que vous nous ramenez de positif du Canada, cette année au Canada ? Le problème, c'est si je réponds ce qui est positif au Canada, ça risque d'être perçu comme des choses qui sont améliorables en France. Donc c'est une question piège, c'est ça ? C'est possible. Hein. J'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit des personnes, tant sur le plan personnel, humain, mais également sur le plan professionnel, avec une grande responsabilité, une grande fierté de chacun, quel que soit son poste, à prendre plaisir à réaliser son travail. Ça donne énormément de fluidité en fait dans les relations professionnelles, de confiance et de dynamisme en fait de l'ensemble de l'environnement professionnel mais aussi personnel en fait parce que les gens sont très très avenants et très sympathiques. Ouais. Loïc. Oui, justement on est sur un domaine on voit bien un peu dans la défricher un peu quelque chose. Est-ce que tu arrives un peu mieux à cerner justement avec la technologie aujourd'hui qui évolue, est-ce que tu as sans faire un côté Madame Irma, en fait. Mais est-ce que tu sens justement une évolution dedans ou est-ce que tu es toujours dans l'étape évangélisation, explicatif ? Ou est-ce que tu sens que justement ça commence à frémir un peu et que le... Oui et non. En fait, je pense que du point de vue des concepteurs, des designers, des ergonomes, il y a une prise en compte et une sensibilisation de plus en plus grande à ces aspects-là. Qui est notamment poussé peut-être par une forme de niveau de qualité de plus en plus grande en fait des productions. Pour autant, les commanditaires qui commandent un service n'ont pas forcément conscience. C'est la communauté. Exactement, c'est ça. Alors, j'ai eu, lorsque je travaillais à Paris, un mentor qui m'expliquait que les gens aimaient deux choses, s'amuser et qu'ils adoraient être grégaires. Et ça a toujours occupé mon esprit parce que j'avais beaucoup de chefs d'entreprise qui me demandaient, lorsque je les accompagnais, à simplifier leur scénario, la manière dont fonctionnait leur site internet, dans le cycle marchand, les micro-conversions, comment rendre les choses plus simples. Et en fait, je leur posais la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument rendre plus simple ce scénario-là ? Quelques exemples très, très efficaces. On est capable d'aller dans un parc d'activités en plein mois d'août, 50 000 personnes, de faire 2 heures d'attente pour 3 minutes de bonheur dans un grand 8 et on vomit à la fin. Qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'à Carrefour, quand on fait ses courses, dans la pyramide de Maslow, c'est pour manger, c'est pour vivre. Au bout de 10 minutes, donc, on ne supporte pas 10 minutes d'attente et les engagements sont d'ouvrir une nouvelle caisse quand on a 10 minutes d'attente. Donc d'un côté, je mange et je vis. Et de l'autre, j'attends 2 heures pour 3 minutes de bonheur. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'exemple que je leur donnais, qui est très drôle, très caricatural, mais très drôle, c'est le jeu Mario contre Donkey Kong, que l'on a connu dans ma génération étant enfant. On a Mario qui est en bas, il escalade un échafaudage en évitant les tonneaux que lui lance Donkey Kong pour aller toucher la princesse Peach qui est en haut de l'échafaudage. Et du coup, si on demande à un ingénieur de simplifier la méthode, bah, sur l'écran, il va mettre un bouton, il y a marqué princesse Peach, et on touche la princesse Peach et on a gagné. Et là, on a simplifié. Sauf qu'il n'y a plus de scénario, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'acte ludique, il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de produit, il n'y a plus rien. Alors évidemment, c'est très caricatural, mais déjà, ça fait un petit peu réfléchir. Puis l'exemple que l'on connaît tous, c'est naturellement Ikea, hein, on va les citer, bien sûr. Le succès d'Ikea, au moins en France, tient à 2 choses. C'est à l'époque, quand ils se sont implantés, il y avait des concurrents comme La Redoute, les Trois Suisses et tant d'autres qui faisaient de la vente par correspondance. Et Ikea est arrivé avec un catalogue extraordinaire. Et là, l'expérience utilisateur, elle était renouvelée. On n'avait pas 30 pages avec des canapés, 30 autres pages avec du linge de maison et 30 autres pages avec des brosses à dents. On avait des maisons extraordinaires. Les canapés étaient sublimés, le lit était magnifique et on voulait consommer. Il y avait de la désirabilité formidable. Et le deuxième acte qui a fait le facteur de succès d'IKEA en France, parmi beaucoup d'autres choses, bien sûr, mais très remarquable, c'est la scénarisation dans les magasins. On vous fait rentrer par un point A, vous sortez par un point B.
Puis vous allez au plafond, à la cave, vous passez devant le cactus clunk, vous l'achetez évidemment, puis à la spatule en bois, puis vous l'achetez aussi en plastique, et puis même en inox. Et puis vous repartez avec des choses que vous n'auriez pas imaginé acheter parce qu'on vous met dans une position de devenir acteur de votre achat. IKEA, en fait, utilise des mécanismes que l'on aura peut-être le temps de développer au travers des questions, mais où vous n'êtes pas qu'un simple, une simple personne dans cet acte d'achat, mais vous vous transposez dans un acte de désirabilité scénarisé, vous êtes accompagné là-dedans. Et en plus, alors même, vous avez un restaurant. Vous êtes dans le film, quoi. Hein, oui, c'est exactement. Ça ouais. Vous devenez acteur et c'est ça qui est très, très fort. Et je reviens à l'exemple de mes chefs d'entreprise qui me disaient, du coup, mais je veux simplifier. Je leur disais non. Non, parce que parfois, vous allez même, au risque d'embêter un petit peu vos clients, vous allez les emmener dans un univers. Ils vont devenir captifs et ils vont aimer ça. Et du coup, à tout craindre, il ne faut pas forcément simplifier. La technologie évolue et aujourd'hui, on a plein de mécanismes comme l'authentification grâce à son profil Facebook, des moyens de paiement en un clic comme le fait très bien Amazon. Donc certes, il ne faut pas fermer ces opportunités à ces nouvelles, à ces nouveaux moyens de transformer l'acte d'achat. Mais pour autant, je crois que la simplification en tout craindre n'est pas le meilleur moyen de rester visible, au moins vis-à-vis de la concurrence, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire quelque chose que ne fait pas la concurrence et l'agora générale. Mylène, vous êtes fascinée hein, par ce... cette explication. Non, mais je reviens sur la fibre. Et comment on simplifie la fibre alors ? Alors, on la simplifie pas ? La fibre, en fait, elle est simple. C'est un médium qui permet d'accéder avec le très haut débit à de nouveaux usages. Je crois que derrière, c'est réfléchir finalement avec les porteurs de projets, avec les chefs d'entreprise, à ce que seront ces nouveaux usages. La fibre, en fait, c'est la même révolution que la DSL ou d'autres technologies. D'ailleurs, elle est en concurrence avec si la 4G ou autre. Oh, parce que vous avez du financement public, du financement privé, parce que la compétence est départementale sur la fibre optique grand public. Mais notre territoire national a vécu des révolutions, il y a aussi des infrastructures qui existent, qui doivent être mises en niveau. Tout cela fait que c'est très complexe. Moi, ma lecture est en fait que ça va relativement vite finalement, quand on regarde les coûts que cela représente et la difficulté technologique de déployer cela sur les territoires. Optimiste. Oui, incontestablement. En tout cas, il y a une impatience, quoi. Il y a une volonté. Oui, vraiment, vraiment. Et c'est un enjeu. Et quand on regarde ce qui se passe avec nos élus, c'est un enjeu effectivement opérationnel et concurrentiel incontestable. Et on voit que ça bouge réellement. Et on en a d'ailleurs aujourd'hui une illustration, c'est que notre Facebook Live est possible grâce à la fibre avec une qualité incontestable. Loïc, c'est par rapport à ce que vient d'évoquer Fred, sur la scénarisation, c'est-à-dire que alors vous, c'est votre métier, hein, la vidéo, le motion design, on a d'abord un scénario, c'est-à-dire qu'on a d'abord une histoire, et puis après, on voit comment on la rend belle, et puis comment on y met du sens, surtout. Oui, mais on a eu une conférence cet après-midi sur la VR, et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui la VR, que justement, vous adorez les acronymes. Les casques VR, c'est ce fameux casque justement qu'on a, et voilà, ce côté virtuel. Réalité virtuelle. Voilà, et pardon. Hervé en provençal. Voilà, Hervé en provençal. Et du coup, c'est intéressant parce que justement, dans le média qu'on parlait vidéo, ça bouleverse complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le mode de l'enchaînement de plans impose histoire. C'est le spectateur qui va créer son histoire. Et finalement, on a la même révolution aussi en marketing et en communication avec ce qu'on appelle le storytelling qui pourrait être aussi c'est la même révolution parce qu'avant, l'entreprise, elle donnait et aujourd'hui, elle raconte une histoire parce qu'elle parle à c'est justement le sujet. Donc on est aussi dans le storytelling, en marketing et communication en permanence pour justement raconter cette histoire à nos utilisateurs. Tout à fait. Expérience utilisateur, voilà, y compris dans cette dimension-là. Merci beaucoup Frédéric de cet éclairage-là. Merci. C'était passionnant et je pense que c'est vrai que ça mériterait une émission à part entière. Si la fibre marche. Non, c'était pour rien. Invité suivant, on l'accueille en musique. Il s'agit de Patrick Valverde, directeur de TVT, mais aussi du Port des Créateurs qui nous accueille. Alors, bonsoir Patrick. Il a dit ça lui va bien la musique. Le clin d'œil, c'est quoi Loïc ? C'est que mon petit doigt me fait savoir que cette personne, sa père chérie du couture, est une personne appréciée de Patrick. Oui, tout à fait. Et puis cette chanson particulièrement. Allez, cette chanson, l'été 75. Du magnifique. Pastis comme voilà. Si c'était de l'eau. Voilà. Patrick, un petit bilan sur cette journée. Beau succès, hein. Deux fois plus de participants. Oui,
énorme succès et beaucoup de plaisir parce que avec Loïc, avec 4317, avec Kevin Pardo, avec toute l'équipe, on a quand même produit de l'énergie, du boulot et finalement le résultat est là. Et les gens étaient vraiment contents. D'une part, en effet, un succès de fréquentation. Puis je crois que le plateau est très riche avec des interventions dans différents domaines, dans le domaine de l'expérience utilisateur dans la ville, dans l'urbanisme, dans la publicité, dans la musique, dans le marketing, dans toutes ces formes. C'était passionnant. Mmh. Voilà. Là, on est au port des créateurs. Oui. C'est une autre dimension que souhaite donner aussi TVT. C'est-à-dire qu'il faut pas fonctionner en silo. Il faut fonctionner dans la culture numérique. On ouvre à tout. On est dans la création. Elle est numérique, elle est culturelle, elle est d'entreprise, elle est de tout. C'est ça la logique. Oui, c'est ça. Le port des créateurs, c'est une structure un petit peu, j'allais dire, qui ressemble, mais qui n'est pas la même chose que TVT, parce que les artistes, ce n'est pas des start-upers. Ils sont différents. D'ailleurs, je ne suis pas directeur, mais je ne suis que président. Je laisse d'autres, en particulier gérer. Julien Carbone, faire les choses avec leur sensibilité, justement, d'artistes et de gens de la culture. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire, à un moment donné, d'avoir des lieux où on peut concentrer des savoir-faire, des talents, et leur permettre de se connaître les uns les autres et finalement, par ce biais-là, d'avoir une valeur ajoutée collective. Et c'est ce qu'on espère. Et depuis qu'on a ouvert il y a quelques mois maintenant, on a plus de 20 collectifs qui sont passés. On a des gens en résidence. On va bientôt lancer la résidence musicale au mois de septembre. On va bientôt lancer un incubateur de collectifs artistiques qui va ouvrir bientôt. Donc oui, c'est très encourageant. Et puis dans cette ville qui bouge, mélanger les start-upers, c'est ça, créer ce lien, ce trait d'union entre deux cultures qui a priori ne sont pas forcément appelées à se rencontrer, mais en tout cas là, c'est de fait. Je crois que le point commun, c'est l'énergie, c'est la confiance à l'avenir, c'est le besoin de faire les choses, c'est de se dire que les choses elles peuvent être beaucoup mieux que ce que nous le raconte, et que avec l'entreprise individuelle, ça peut être aussi du plaisir et ça peut aussi respecter les autres, et on peut faire pas mal de choses bien sympathiques dans tous ces domaines. Loïc. Oui, justement, on parlait d'avenir, parce qu'il faut rappeler, comme TVT, ça fait longtemps. Ça existe, que c'est Me vieillir, ça. Non, justement, c'est pour faire part, justement. C'est quoi le regard d'un Patrick Valverde sur, justement, l'évolution parce que tu as vu passer les différentes bulles Internet et tout ça et compagnie. Donc, on parlait d'optimiste à l'heure. L'optimiste, c'est toujours de rigueur. Est-ce que tu trouves que ça va de plus en plus vite ou au contraire, non, il y a des cycles qui reviennent? Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le résultat du travail de plein de gens, des politiques, des collectivités, des entrepreneurs, des anciens, des nouveaux. C'est la chance que je peux avoir, c'est d'avoir regardé un peu les choses évoluer. Quand on a démarré, il y avait quand même moins de 3 000 étudiants à Toulon. Bon, aujourd'hui, on flirte avec les 12 000, c'est encore à mon goût pas assez. Mais c'est un mieux. La ville était comme assez désertifiée au centre-ville. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Les start-up, le mot n'existait pas. Donc oui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et je crois qu'il y a une énergie qu'aujourd'hui, on peut projeter à l'extérieur. Ce soir, il y a des Marseillais, il y a des Parisiens. On peut, je veux dire, les recevoir et être un peu fier de notre ville parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors le regard, il est plutôt satisfait. Et comme tu dis, il y a des cycles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut investir. On est dans des murs où TPM et la ville ont investi. Il faut quand même entre 5 et 10 ans pour sortir un projet. Chalucé bientôt, dans lequel on sera partie prenante, c'est quand même presque 8 ans de travail. Donc à chaque fois, oui, il y a des vagues qui arrivent. Mais le principal, c'est qu'il y ait de plus en plus de vagues pour qu'on arrive à bon port. Voilà, port des créateurs. Mylène. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est ces énergies, parce qu'aujourd'hui, on voit 4317, TVT, l'Union Patronale du Var. En fait, il y a vraiment aussi une envie de faire ensemble. Oui, tout à fait. Ça, de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Moi, je dis toujours qu'on est dans un territoire où on doit gagner par l'efficacité collective par rapport à nos éternels voisins ou ceux qui sont de là. On a la chance finalement d'être dans une ville à taille humaine, comme on disait avant, mais maintenant c'est vrai. Et donc quand on peut travailler avec les équipes de l'UPV, avec les équipes de la CCI, quand on peut bosser en mélangeant des activités de type start-up ou culture, quand on peut arriver comme ça à pouvoir avoir un accès direct aux politiques, on fait changer la vie. Et
Et ça change effectivement, et TVT fait partie des acteurs qui ont modifié ce paysage et modifié cette partie de la ville de Toulon dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous. Et bravo pour tout ce travail. On a un dernier invité, on est allé le chercher dans la foule, on ne sait pas qui c'est. Surprise. C'est un témoin, la foule nombreuse... Et bruyante. Voilà. Je sais pas si on entend. La foule nombreuse et motivée, on l'entend pas. Je sais donc, pas si ici. Vous entendez la musique. Je vous en prie, rejoignez-nous et vous allez vous présenter. Donc le témoin, vous avez participé à la journée, vous étiez participant, vous aviez votre badge. Vincent Béranger, voilà, Théâtre Liberté. Allez, un petit bilan de cette journée. Vous l'avez vécu comment? D'abord, comment vous êtes arrivé à cette journée, et puis vous l'avez vécu comment? Bah, hyper intéressant. En fait, moi, je m'occupe de la quatrième scène au Théâtre Liberté. Donc, on a l'habitude d'être dans le numérique. On s'occupe de toute la photo, la vidéo du théâtre, tous les objets numériques d'une manière large, au sens large. Quoi. On s'occupe vraiment des réseaux sociaux. On s'occupe d'essayer de faire vivre en fait, ce théâtre du côté des coulisses, une sorte de scène virtuelle. Donc, effectivement, cette journée-là, elle m'intéressait énormément. D'une part, pour entendre tous ces intervenants qui allaient parler de l'expérience utilisateur et puis de la thématique aussi. Donc voilà, c'était il y avait effectivement des choses où j'étais moins à l'aise dans le propos, et puis il y avait des choses qui m'intéressaient complètement, hein. Je pense à Deezer, à Adobe, au psychologue qui est venu aussi, qui a parlé un petit peu de, je sais plus son nom, de l'expérience utilisateur aussi. Dromier. Ouais, c'est ça. Et donc là, vraiment, nous, dans ce qu'on fait avec mon équipe au théâtre, c'est hyper intéressant de, d'aller au-delà de se nourrir de ça, de ces expériences, aussi de rencontrer plein de personnes. Et puis moi, j'insisterai aussi sur l'aspect gadget qu'on prête un peu au numérique actuellement. Et au final, moi, j'ai envie de dépasser ces frontières et puis voir aussi... Que toutes ces personnes en parlent sérieusement, que c'est l'avenir et que, voilà, que nous on le défend au quotidien, mais on nous donne aussi des clés pour pouvoir être plus visible, plus vu, et puis surtout atteindre notre cible, tout simplement. L'expérience utilisateur, c'était le thème d'aujourd'hui. Est-ce que justement, en dehors des conférences, ça a mené des échanges qui n'étaient pas soupçonnés en se réveillant ce matin de travail, en fait? Est-ce que ça a amené des discussions, une expérience utilisateur différente, en fait? Oui, complètement. Enfin, en tout cas, à midi, c'était très convivial. Et oui, complètement, on en a discuté autour du repas. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, quoi. C'est qu'à un moment donné, on crée des objets numériques, on fait des choses. Mais il faut aussi comprendre la personne qui est en face, comprendre comment elle fonctionne, comprendre comment elle utilise ce qu'on va faire. Comprendre à qui on s'adresse, et en fait c'est le béaba du marketing, c'est le béaba on fait pour l'humain, pas pour faire. Donc automatiquement, oui, on en a discuté ensemble autour de tous les acteurs, que ce soit de Toulon, de la région, puis je me suis aperçu qu'il y avait pas que ça, allait un peu plus loin même, ça allait du côté de Paris, Marseille, etc. C'était hyper intéressant, ouais. Complètement. Mylène. Oui, puis je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est aussi intéressant de mettre des mots dessus, parce que j'imagine qu'au quotidien, dans votre métier, c'est aussi d'expliquer votre métier, pourquoi vous faites les choses. Et ce genre d'événement, ça permet de mettre des mots et de le rendre réel, finalement. Non ? Est-ce que vous avez cette problématique quand on parle d'expérience utilisateur ? Comment le vendre, vos projets, et les monter ? Oui, en fait, c'est ce que je me disais pendant ce que je voyais sur scène. Je me disais, mais ça, c'est du bon sens. Et au final, en fait, quand on est là tous ensemble et qu'il y a les questions à la fin... en fait, c'est du bon sens, ok, mais c'est très bien d'en parler. C'est très bien de. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Ouais. Et en fait, on voit qu'on a tous les mêmes problématiques, en fait. Donc, à la fin, c'est super d'être à 200 comme ça et de pouvoir se dire, ok, donc on en est là, on va vers ça, et on y va tous de telle ou telle manière, avec telle ou telle méthodologie, telle ou telle compétence. Et c'est ça qui est important. Enfin, en tout cas, pour. Ouais. Ça, c'est mon avis. Mais... C'est votre ressenti. Ouais. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous. Merci Vincent. Loïc, le partage d'expérience, hein, donc c'est le cœur de
même au sein de ceux qui ont participé à l'événement, l'expérience utilisateur, là on vient de la tester, ouais. Partage d'expérience, partage. C'est ça, bah, c'est un peu le but, c'est typiquement, enfin voilà, pour parler du réseau 43, typiquement c'est au cœur même de la définition d'un membre, en fait, voilà, on parlait d'associatif tout à l'heure, enfin on se pose même pas la question, en fait, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est culturel, numérique, mais c'est par le partage qu'on apprend. Enfin, si on reste tout seul dans son coin, voilà, enfin, on peut rien apprendre. J'ai toujours cette anecdote qui vient, voilà, de Mathilde Lerouzy, que je connais bien, qui aujourd'hui a monté sa troisième start-up et qui expliquait que, bah, voilà, en partageant tous les jours avec sa boulangère, c'est une aventure. Pourtant, au premier abord, la boulangère ne connaît rien au numérique, mais un jour, elle lui a apporté une solution clé. Elle a dit, tiens, j'ai pensé à votre problème là, et si vous pouviez faire ça. Et par le partage, ben, elle a créé quelque chose. Jonathan, voilà, qui a fait sa levée de fonds, il a une question, il l'a partagée au monde entier et quelqu'un lui a apporté une solution. Voilà, c'est par le partage qu'on arrive à trouver des solutions et avancer dans le monde de demain. Mylène, je suppose que ça, ça vous fait plaisir. Tu veux dire oui. Ouais. Non, effectivement, et puis au-delà effectivement, de l'optimisme, du partage et de la puissance aujourd'hui du numérique et des réseaux sociaux, on l'a vu avec le bar tout à l'heure, on l'a vu avec toutes les expériences. Moi, je rebondis aussi sur ta chronique qui est l'humain. Et finalement, c'est aussi le sens fort, je pense, de cette expérience utilisateur. C'est qu'on parle d'utilisateur, on parle d'humain, en fait, et que le numérique n'est qu'au service de l'humain. Donc, merci pour ta chronique tout à l'heure. Optimisme, humain, partage. Très bien. Merci à vous deux. En tout cas, ça a été un réel plaisir de faire ce deuxième Facebook Live de l'année. Il y en aura d'autres, hein, puisqu'on on a bien rodé notre équipe. Ça fonctionne plutôt pas mal. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt un et bonne soirée. Coucou à Fabrice. Et puis, attendez, on va sortir ensemble. Ouais. On va aller faire un petit tour un avec petit la caméra. Fabrice, je vais vous montrer, qu'on a fait signe tout à l'heure qui est je vais pas vous là montrer soir. Les coulisses. Alors, on va peut-être montrer les coulisses. Voilà. Oui, on va montrer les coulisses. Je voudrais quand même qu'on remercie Morgane qui s'occupait d'envoyer la musique. Voilà. C'est super à l'aise, qui adore ça. Et Julien de Mise en Boîte Production qui s'occupe bien sûr de la technique avec toujours la même qualité. Bravo Julien, merci beaucoup. Et puis maintenant, on va ouvrir la porte. Et puis il y a Sylvain, l'instigateur de la police. Il ne veut pas se montrer. Bravo. On va ouvrir la porte et puis on va aller faire un tour dans la cour. Vous allez voir qu'il y a pas mal de monde. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.